Direction l'Alsace cette semaine pour cuisiner en compagnie du jeune chef Yannick Guth. Originaire de la vallée de Villers, Yannick a fait ses armes au CFA d'Ilkirch avant de peaufiner ses tours de main aux quatre coins de la France. Il va enchaîner les maisons étoilées. En 2014, il a l'opportunité de reprendre cette auberge à Stège, un hasard de la vie qui le pousse à revenir dans sa région natale. Il transforme le lieu en une adresse prisée pour les amateurs de gastronomie. En effet, Yannick sublime les produits de saison pour surprendre les papilles. Ses plats sont recherchés, travaillés et surtout maîtrisés. Pour À Feu Doux, il nous invite à associer le topinambour et le clou de girofle en entrée. Pour le plat, il est parti sur la biche et le pané. Et en dessert, il revisite l'île flottante avec des clémentines de Corse. On le rejoint immédiatement. Donc on a du topinambour, des clous de girofle, qu'est-ce qu'on va faire en entrée avec ça? En fait, on va travailler une entrée autour du topinambour et des clous de girofle. On va travailler le topinambour sur plusieurs façons, un risotto de topinambour, des petits pickles de topinambour et une émulsion au clou de girofle. En fait, le clou de girofle va vraiment ramener la force au topinambour. Ah ouais, parce que c'est très soutenu voilà, quand même. Il faut en mettre beaucoup et pas longtemps. D'accord. En fait. On commence par quoi? Dis-moi. On commence par les matières premières. On va commencer par éplucher justement ces topinambours. Okay. Bah, si tu veux, je te donne un coup de main. Je laisse la petite poubelle pour mettre les épluchures. Et puis moi, je vais commencer à les tailler une fois que tu les auras épluchées. Donc, tu parles de différentes versions. On les aura comment? Alors, donc en risotto. En risotto, donc des petits cubes qui vont cuire entièrement dans la crème. Mm-hmm. On aura ces pickles qui vont être des fines lamelles juste au vinaigre pour amener un peu de puissance au plat. Et puis, on aura juste un petit topinambour qui va juste être dans la cendre végétale, juste pour donner un peu de couleur et de croquant au plat. D'accord. Donc là, tu es parti sur une coloration noire. Exactement. Cendre végétale, c'est-à-dire? Cendre végétale, en fait, c'est des herbes qui ont été cuites entre plaques et entre papier très longtemps quoi en fait. D'accord, ça se trouve facilement, enfin on peut en trouver moi si je veux. Oui, bien ça. Sûr, on en trouve partout chez les grossistes. D'accord. Donc ça se trouve facilement. Il n'y a pas de souci, ouais. Donc là tu es parti sur une entrée vraiment 100% enfin sans viande, sans poisson. Sans viande, entièrement végétale quoi en fait. Tu fais souvent ce genre de choses? J'en ai une sur ma carte tout le temps pour permettre aux végétariens d'avoir une entrée, un plat et un dessert entièrement végétal quoi. Donc là, tu mets de la crème. Voilà, c'est juste. Et c'est dans cette crème qu'on va cuire quoi? Notre risotto? On va cuire notre risotto. Cette crème, on va la laisser un peu réduire. Tu dis que c'est un risotto, mais normalement, le risotto, tu le cuis au bouillon? Exactement. Le risotto, on le cuit au bouillon. Mais si le légume, on va commencer à le cuire au bouillon, il va être bien trop cuit, en fait. Ah, d'accord. Donc, on va juste le finir dans la crème. Ah, mais tu commenceras au bouillon? Pas du tout, non. Ah non, c'est uniquement crème. Uniquement, je le finis à la crème. En fait, là, je vais faire ma brunoise. Et en fait, il va juste légèrement cuire dans la crème, quoi. Donc, sachant que dans cette recette-là, bah, forcément, c'est un risotto, donc on peut le préparer en avance. Bien sûr. On peut tout faire en avance, quasiment. On peut le pré-cuire, on peut le pré-cuire avant, quoi. Et puis, terminer la cuisson au moment, quelques instants avant de dresser, quoi. Exactement, ouais. Juste le faire d'avance, même la veille, on peut le garder. Il faut juste le laisser bien croquant. Que si à la réchauffe, il faut pas qu'il soit trop cuit. On veut vraiment le croquant, le topinambour, c'est un peu le goût de l'artichaut quoi. Et comme un risotto, on veut quand même que le riz soit légèrement croquant. C'est ça. C'est le même principe. Hein. C'est bon, je peux mettre la poubelle de côté. Ouais, top. Toi, à chaque fois que tu imagines un plat, enfin voilà, c'est quoi ton fil conducteur, ton état d'esprit quand tu arrives en cuisine? Mon fil conducteur, c'est la nature. D'accord. Donc, des produits, du fumage, de la cuisson au sapin, de la cueillette d'herbe. Voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment notre philosophie et notre esprit, quoi. Après, on est une équipe toute jeune, donc on cherche à faire une cuisine jeune, en fait. Voilà. Voilà, là, notre crème, elle réduit tout doucement. On va y rajouter les topinambours. Les petits dés, donc voilà. Ça, c'est pour le risotto. Voilà, c'est pour le risotto et on va juste les faire cuire dans la crème tout doucement. D'accord. Il y en a pour combien de temps à peu près? Il y en a pour... C'est rapide. Ouais, 5 minutes, c'est cuit. Le temps de préparer finalement tout le reste. Exactement. Enfin, les petits... Exactement. Les autres topinambours. Voilà. Maintenant, là, je vais lancer ma casserole pour mes pickles. D'accord. Donc, c'est quoi dans ta préparation? C'est juste un vinaigre, tout simple. D'accord. Un peu de vinaigre, un peu de sucre, tant pour tant. D'accord. Tant de vinaigre que tant de sucre.
Et hop. Et hop, tu ça, mets sur le feu. On met sur le feu. Et on mettra, c'est quoi, c'est une petite chips. Et on va mettre juste une petite chips, une petite lamelle de topinambour. D'accord. Donc là, tu vas faire tes lamelles. Voilà. Donc les lamelles, ça sera Epicles et également dans l'encre végétale, c'est exactement. Ça exactement. Donc au fond de ton assiette, tu auras ton risotto qui est blanc, tes petites lamelles noires. C'est ça. Ton petit pickles. Oui. Et ton émulsion. Exactement. Enfin, donc l'émulsion clou de girofle, c'est hyper puissant, on en met très très peu. On en met beaucoup et pas longtemps. D'accord, beaucoup et pas longtemps. Et pas longtemps. Pendant combien de temps tu vas le faire? On va le mettre même pas 30 secondes. Ah ouais, okay. Moins d'une minute. Voilà, 30 secondes, tac tac. Et tu vas le mettre dans le lait, c'est ça? Dans un peu d'eau. D'accord. Et après, on va finir, on va filtrer cette eau et on va faire notre bouillon, enfin notre émulsion avec du lait et du beurre. D'accord. Là, on goûte. C'est parti. Bon. L'idée, c'est de prendre un petit peu de tout, quoi. Un petit peu de clou de girofle. Ouais. Un petit crouton et un peu d'écume. Mmh. Et là, il y a vraiment toutes les saveurs qui arrivent. Mmh. J'adore parce que là, j'ai différentes textures. T'as le chaud, t'as le froid du pickles, t'as le petit risotto qui est vraiment bien gardé, croquant. C'est ça. Puis alors, le pickles encore plus et qui apporte cette petite touche vinaigrée qui est excellente. Et puis les petites herbes là que tu as du moment, c'est vraiment top. Sachant que tu me disais tout à l'heure, le clou de girofle, je peux le garder, hein, parce que je ne le jette pas quand je l'ai fait infuser. Le clou de girofle, on va le faire infuser, on le refait sécher après. D'accord. Sur une petite plaque, et puis on le remet dans son petit bocal à la maison, et puis qu'on peut réutiliser jusqu'à qu'il n'a plus de goût en fait. Et c'est très subtil, je m'attendais à vraiment quelque chose de trop puissant, j'avais peur de ça, mais c'est tout en douceur. Voilà, ça reste, si tu ne me le dis pas, je vais me dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Tu vois, tu cherches, et c'est ça match super bien, quoi. Et au restaurant, ça t'arrive aussi de mettre un petit peu autre chose? Sur le plat du restaurant, on va y rajouter un peu de truffe mélanosporum, comme on est en pleine saison. Mmh. Et puis voilà, ça va rajouter encore un peu de force derrière. Mmh. Et puis le légume oublié sur la truffe, c'est top. Donc c'est une recette comme ça que je peux faire au quotidien. Et puis quand j'ai un peu de monde, que je veux me faire plaisir, je peux mettre de la truffe. Exactement, exactement. Ok, pour le plat, t'es parti sur quoi? Pour le plat, on est parti sur un filet de biche de la chasse de stage. D'accord. Et pareil, avec des légumes oubliés, on va travailler notamment le panais en deux façons différentes. Super.